Yep, yep, les potes, c'est Darkman. J'espère que vous allez tous super bien. Moi, en tout cas, ça va super. Aujourd'hui, les potes, on se retrouve pour une vidéo importante par rapport à Pokémon Go. Des infos qui sont tombées, les potes, par rapport à plein de trucs. Les raids, les potes, à la maison. Des événements, voilà. Un événement par rapport à l'immonde, voilà, qui est maintenant disponible dès ce 1er avril, les potes, avec Simularbre Shiny, avec. Si je me souviens bien, oui, Cradopo Shiny les potes, avec voilà plein de trucs, plus de Voltorb, tout ça, et de Métamorph, tout ça en sauvage, tout ça, dans la nature. Donc les potes, c'est un truc de malade. Gros event, et je voulais vous sortir ça rapidement, vous comprenez. Rapidement, c'est important, parce que là, les potes, c'est vraiment une énorme nouveauté. Voilà, des raids à la maison, ce serait un truc de malade. On n'a pas plus de détails. Je vais vous envoyer quelques screens, tout ça, peut-être du gameplay pour accompagner le tout, pour vous expliquer un peu plus en détail. Vous allez voir, c'est très stylé. Donc les potes, c'est ce matin les potes, voilà que PogoNewsFR, c'est donc sur Facebook, c'est une page, un groupe Facebook les potes, super, assez connu de la communauté PogoFR. Donc à partir du 1er avril, donc aujourd'hui les potes, de 8h à, au mardi pardon, 7 avril 22h. Donc, plus souvent dans la nature, Fantominus, Spectrum, Voltorb, Trompignon, Simularbe, Capumain, Cradopo. Et Simularbe Cradopo dispo en shiny avec l'immonde également. Donc la quête les potes pour avoir l'immonde tout ça est tombée. Il faut je crois gagner 3 bonbons avec son copain. Je vais vous mettre un screen, ce sera sûrement en anglais. Pendant toute la durée de l'événement, il sera dispo comme récompense d'études de terrain. Ou si vous avez énormément de chance dans la nature, à la fin de l'événement, l'immonde ne sortira plus d'œufs de 5 km. Vous pourrez le rencontrer comme récompense d'études de terrain ou si vous avez beaucoup de chance dans la nature. Donc ça déjà les potes c'est assez ouf. Mais regardez le plus ouf, c'est ça. Des raids de chez soi les potes. Regardez bien, raid accessible, des arènes déjà visitées, comme je vous le disais précédemment, en facecam. Aucune limite de distance. Il faudra par contre être amis 3 cœurs pour raider ensemble. Du coup vous avez compris. 3 cœurs pour raider ensemble. Tous les Pokéstops visibles seront accessibles, c'est-à-dire ceux que vous voyez de votre jeu, de chez vous, même voilà ceux qui sont tout au bout, si vous les voyez quand même, bam, vous pourrez les tourner. Le taux d'apparition des Pokémon sera nettement augmenté, on a un petit lien malheureusement, je vais essayer de vous le caler peut-être dans la description. Mewtwo sera de nouveau disponible en raid 5, avec de la chance, vous pourrez rencontrer sa version chromatique, voilà, avec une autre source que je vais vous caler également. C'est vraiment les potes un truc de ouf, franchement. Donc regardez, c'est déjà fonctionnel dans certains pays, c'est là-haut. C'est vraiment ouf, pas encore en France, en tout cas l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, pas encore, mais franchement, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte, ça va être ouf. Les raids de chez soi, les Pokéstops, ceux qu'on voit de chez nous, on va pouvoir les tourner. Alors ceux qui n'ont pas de Pokéstop chez eux, genre qui n'en voient aucun, même en allumant le jeu, ça va être. C'est vrai que c'est dommage, c'est dommage. On se fait un petit test, les potes? Alors. Oh. Bon, ça marche pas très bien. D'accord. Au niveau des Pokéstops, il faut savoir, les potes. Bon, vous avez vu, hein, beaucoup plus de métamorphes. Au niveau des Pokéstops, quand même, tu fais une petite parenthèse aux infos. C'est pas ouf, quand même. C'est-à-dire qu'en fait, la fonctionnalité est. Très mal a été très mal intégré au jeu en fait. C'est-à-dire que là vous voyez bah, c'est mort quoi. Ça passe pas, faut vraiment que le truc soit assez près. Voilà quoi, c'est au final ça change pas grand chose, c'est assez dommage. J'imagine qu'ils vont peaufiner tout ça, mais voilà. Voilà, franchement, moi je trouve que c'est super de faire ça. De leur part, c'est top. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte que ça arrive en France, les potes. Et j'espère vraiment que ces petites infos, tout ça, vous auront plu. Je vais essayer de vous rajouter un max de liens en description si vous voulez checker. N'hésitez pas à vous abonner, les potos. À capturer, bien sûr, un max de Cradopo le Simularbe. Le petit like, le partage, tout est en description. Bonne chasse et tchuss!